culpabilisais tellement de ne pas avoir été au sport la journée. En sortant du concert, à 23h, j'ai couru dans la ville, mais n'importe où, sans savoir où j'allais. Le sport, ça représente une part tellement importante dans mon quotidien que sur une journée, il faut que j'aie mes séances de sport. C'est comme ça que je m'évade, c'est comme ça que je me libère l'esprit. C'est une addiction genre très très forte. Quand j'arrive dans une ville, quand je suis en tournée, tout va être organisé par rapport à ça. Le premier truc que je regarde, c'est où se situe la salle de concert, à quelle distance elle se situe de la salle de sport. Une fois, c'était un festival à Brive. Je culpabilisais tellement de ne pas avoir été au sport la journée. En sortant du concert, à 23h, j'ai couru dans la ville, mais n'importe où, sans savoir où j'allais. Et en fait, je suis tombé nez à nez avec toute la foule qui sortait du festival parce que le festival continuait plus tard et les gens sortaient du concert de Julien Doré. Quand ils sont sortis du concert, moi j'arrive en courant à ce moment-là et donc t'as tous les gens qui sortent et qui voient un mec courir. Donc déjà, c'est un peu bizarre à 23h30 et ils se disent « Eh, mais c'est Attic !» Et sachant que 2 heures avant, j'étais en train de jouer devant eux, quoi. C'est les mecs qui me suivaient en voiture, ils klaxonnaient et tout et moi, je m'arrêtais pas parce que je suis dans mon truc et quand je cours, je suis focus et faut pas trop me parler. La capuche, elle a pas changé grand chose. Mais j'ai un masque en vrai maintenant. C'est un masque un peu comme Bane dans Batman. C'est un masque qui recrée les conditions climatiques de haute altitude pour respirer plus ou moins. Et ça travaille le cardio. Et en même temps, il me permet moi aussi de me masquer quand je vais dans une salle ou que je vais courir. Je peux le mettre et on me reconnaît un peu moins, on va dire. Donc ça, c'est pratique. Après, Bane était effrayant. Moi, ça va, je suis plutôt gentil. Avec un petit survêt de l'OM, et je suis plutôt gentil, quoi. Ça va.